Yo les gens, eh bien moi je vais aller rejoindre ma petite souris. Nous voilà donc pour la suite de cette aventure sur le jeu Moss. Donc nous sommes toujours partis à l'aventure, à la recherche de notre oncle qui est parti suite au fait qu'on ait trouvé la relique de verre. On se retrouve du coup dans un nouveau tableau qui je pense va être un bon casse-tête. Ok, alors on se trouve encore dans une nouvelle pièce. Donc je vois que j'arrive d'ici. Il y a un escalier, j'ai l'impression que... Ouais, cet escalier peut tourner, il y a des petites boules encore ici. Ah, je peux aller là-dessous. Alors, comment ça va se passer? Visiblement, on peut grimper là. Ah, on peut faire le tour. Si je me mets là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Bon. Je pense qu'il faut activer les deux bouboules. Ah, il y a un levier ici aussi. Alors, si... Est-ce que je peux monter? Oui. Ah d'accord, je pense savoir. Hop, allez vas-y mes petites. Oui j'ai réussi le saut. Parce que comme vous le savez, ça a failli louper. Je ne suis pas très doué pour tout ce qui est saut et agilité. Hein. Alors si je mets un coup, ça baisse. Ok. Ah ben voilà, je l'avais dit. Alors, on va faire un petit tour par ici. Ok. Alors, tu vas t'avancer ici. On va découvrir un petit peu ce passage. Ah, il y a le parchemin là-haut. Ce serait cool d'essayer d'aller choper le parchemin, mais je vois pas comment encore. On va voir. Déjà là, on va pouvoir toucher au levier. On va voir un peu ce que ça va nous donner. Ouh, ça sent la bestiole, ça. Est-ce qu'on a une bestiole qui va sortir d'ici? Eh bien vu. Oh, tombe pas. Allez, relève-toi. Ok. Alors, la bestiole. Oui, d'accord, donc on peut tirer avec. Ah, parfait! Ok, on peut s'en servir en fait pour faire bouger la plateforme. Très bien. Oula, attends, tu vas te calmer. On va faire tourner l'escalier. Alors moi qui suis pas doué sur l'agilité, si en plus il faut que je combine des deux mains, bloquer le monstre, attraper l'autre en même temps. Allez, déplace-toi, casse-toi, toi. Je te veux plus. Laisse ma souris tranquille. Allez, viens. Là, si tu te mets comme ça, toi, tu viens ici. Non, pas sur la souris. Oh là là. Ok. Ah, mais c'est que là, si je mets un coup... Elle va se baisser et du coup je pourrais plus la réactiver après celle-là une fois que je serai à distance a priori. Ouh, je l'ai échappé belle celle-là. Alors vas-y toi, admettons, tu viens là, tu tires là-dessus, ça fait quoi? Et puis j'arrive pas à tirer sur celle-là à mon avis. Ouais, y a pas... Ce mur il est là, c'est pas pour rien à mon avis, c'est pour éviter qu'on puisse tirer dessus. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Ouais, la bestiole là-bas, tac tac, bim bim. Trop mignonne. Ouais, t'es mignonne. Mais ouais, d'accord, c'est bien l'indice que tu me donnes, j'ai bien compris hein, qu'il faut tirer là-dessus. Maintenant c'est la synchro qu'il faut y donner, que j'ai du mal à saisir, parce que à mon avis si je mets la plateforme ici comme ça, je pense pas que j'ai l'espace suffisant pour sauter. Non, c'est même sûr. Ok, je pense que je l'ai trouvé. Alors je me suis débarrassé de la bestiole qui était là-bas.
Du coup, je me mets ici. Normalement, si je tire, ça devrait faire baisser la plateforme. Ah, oh, mince. Ok. Donc là, j'ai réussi à monter. Par contre, je n'ai pas encore le parchemin. Et je finis par me demander si... Oui, coucou. Me fait trop rire. Je finis par me demander si j'aurais peut-être pas la possibilité d'avoir le parchemin plus tard. Bon, malheureusement, je vais continuer, puis on verra plus tard. On va voir ce qui se passe après. Oh, bah, ça valait le coup, jouer les trésors. Bien. Allez, on va casser du pot. Ah, je suis curieux de savoir ce que c'est, ces petites étincelles que je gagne. Peut-être de l'expérience. Après, j'ai rien vu qui ressemblait à ça pour l'instant, mais... Peut-être que j'ai des compétences après qui vont se débloquer au fur et à mesure. Peut-être un genre de... Des doubles sauts, des trucs comme ça, des doubles attaques. Oula, ça c'est pour moi ça. Tu tombes pas. Allez, c'est parti. Super. On va ramasser le trésor. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oui. Ah, un genre de bouclier. Parfait. Allez, vas-y, prends-le. Ah, c'est à moi de te le donner, ok. Tiens. Non. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que là, c'est dans ma main, comme si c'était à moi. C'est moi qui le tiens. Par le pouvoir du bouclier. Bon, visiblement, il n'y a pas plus ici, hein. Je vais faire demi-tour. Enfin, il n'y a pas plus. C'était quand même déjà pas mal. Et nous revoilà ici. Bon, et alors toi, si on te fait tirer dessus, là. Si seulement je pouvais viser correctement aussi. Ça pourrait aider. Je suis vraiment un peu déçu de ne pas avoir trouvé le parchemin, de ne pas avoir trouvé la solution. J'essaierai de voir sur internet si je trouve des infos. Alors dites-moi, hein, en commentaire, toujours pareil, si jamais il y en a qui ont des infos. Parce que moi, je suis toujours preneur. Surtout si c'est pour essayer de finir le jeu complètement. Parce que je pense que d'avoir un intérêt, hein, d'avoir tous ces petits parchemins. Alors on va voir où est-ce que ça mène déjà. Je me souviens plus trop. Ah oui, on retourne là. Ok. Ah, maintenant que j'ai le bouclier, ça se trouve qu'il y a quelque chose à faire là-bas. On va aller voir ça tout de suite. C'est peut-être un des éléments manquants. Hé hé. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une clé qui te permet d'ouvrir la porte. Yes. Allez, vas-y. Où est-ce que tu es? Ah, tu es là, salut. Alors, est-ce que ça, on peut le toucher? Non, ça non plus. Ah, il y a un gros bouton ici, là, sur lequel on peut appuyer. Ça, à mon avis, c'est une plateforme qui peut sortir de terre. Enfin, de terre. Du sol, en tout cas. Oh, il y a peut-être bien des bestioles qui vont sortir des trous, là. Ça sent pas bon tout ça. Ah, tu peux pas grimper là-dessus? Ok. Bon, bah, visiblement, il n'y a que tout droit qu'il faut aller. Donc, il n'y a que tout droit qu'on va aller. Parce que je parle bon la France.
Eh ben non plus. Bon, il va falloir faire usage du cerveau, j'ai l'impression, encore une fois. On doit certainement se trouver face à un petit puzzle. Alors c'est marrant parce qu'elle est... On dirait vraiment que c'est des plateformes sur lesquelles on peut interagir, mais... Je doute que d'aller là-dedans soit une bonne idée. On peut casser les pots avec le... avec la commande habituelle de la main. Ça, je savais pas. Ah, d'accord, on peut sauter par là. Enfin, c'était pas pratique comme truc. Il fallait en fait prendre élan sur la marche d'escalier. Parce que j'ai tourné un petit moment. Hein. J'ai coupé un peu la vidéo parce que sinon c'était un peu long. Mais ouais, il fallait prendre élan sur la marche d'escalier. Ouais, c'était pas forcément évident. Enfin bref. Alors, qu'est-ce que ça fait si je marche là-dessus? Qu'est-ce que j'ai touché? Et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.